Voilà, c'est mieux comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. On est parti pour la suite du stream. Hop, j'ai coupé le son pour que ce soit décalé. Et ben c'est parti, on va continuer. On est rendu. On va affronter l'équipe. On va affronter l'équipe un peu faible. KFC, moi j'appelle ça moi. Et on va se préparer pour affronter le prochain match qui est l'Institut Occulte. L'Institut Occulte qui va nous permettre, en cas de victoire, de nous qualifier en football frontière. Ce qui est intéressant quand même. Donc maintenant on va jouer ce match. J'espère que ça a fait de l'XP hein, surtout. Allez, c'est parti maintenant. Blague. Hein. Justement, tu vois. Tu vas voir mon copain, tu vas kiffer. Ah, Frenzy, ouais, je sais ce que c'est. Je vais pas vous expliquer. Bédier! On n'a pas peur des colligés. Allez, on est parti. J'espère que le son est nickel. Allez, go! Ah oui, déjà je vais faire la compo, une vraie compo là, parce qu'elle est dégueulasse. La caisse la meilleure. En vrai, je serais chaud pour partir sur un bloc central. On a pas leur technique. Voilà. Il y a rien, rien, rien. Ouais, rien. Tu me diras. Vu que c'est que Jacques soit dans l'axe. Jimmy, je vais voir là. Kevin en 9 avec Willy. Je pense que c'est la meilleure compo. Steve il a combien? 13. Et Sam t'as combien? 13. Ouais, bon, on va le mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est la meilleure coupe. Allez, let's go. Ok, ça va aller. On est parti. Ça y est, on peut jouer vraiment là. Pas besoin de se faire péter la gueule par la Royal Academy. Oh là là. Ah, dans l'axe. Il y a personne dans l'axe. Tu la cadres, hein, Kevin. T'es pas con. Et voilà. En quelques minutes. Oh, tiens, le bambou. Voilà. Nickel. Allez, on continue. Accélération. Ils ont des techniques que moi j'ai pas. C'est pourri. Ah, oh, Max. Ok, nickel. Hop. Non mais vas-y Timmy. Oh. Ah je le réponds. Oui Willy. Oh Willy va marquer les gars. Et ben voilà. 0.
Nickel. Ah ça y est, ils sont en frénésie. La frénésie, ça veut dire qu'ils sont un peu vénères et quand ils font des techniques, ça dépense moins de points. Ah bon, faut pas déconner là. Pour toi, Jim. Ouais. Steve. Allez, on y va. Mais non. J'ai un moment de doute. Oh non, mais t'es sérieux. Ah là là. Oui, les classes. Il faut revenir. Allez, Todd, faut revenir là. Ah, super, l'équipe de bras cassés. Faire partir ça. Hop. Super. Allez, on y va. Allez, Woody. Oh, la profiteur, elle est belle. Il faut tirer là. Je pense qu'il va la dégager. Ah, il va l'arrêter. Il fait la technique tout le long. Ah, le bâtard. Non, viens là, merde, mais non. On va faire un petit montage. C'est super. Ouais, toute seule là. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que sinon ça rentrait. Oh, je l'arrête. Ouais, je l'arrête, c'est bon. Je l'arrête. Fin de la frénésie. Nickel. Attention. Ouf, nickel. Oh, vitesse, qu'est-ce que c'est horrible. Oh là là. Ah, il va fumer là. Ouais. Les plantes. C'est bon. Nickel. Nickel. Oh. Ok, il se voit encore. Ouais, super contrôle ça de Kevin. Oh, y'a personne. Oh, go. Ah non, mais... Ah non, Willy. Oh, j'ai fait une passe dégueulasse. Oh là là. J'ai mal géré avec ma souris aussi. En plus, c'est pour aussi une touche. Non, mais n'y va pas, Willy. Oh putain. Allez, c'est pour toi, Steve. Ah, il peut me dribbler. Hop. Je suis obligé de faire ça. Ah, y'a pas Kevin, si. C'est cadré ça quand même. Déconnez pas. C'est bon. Vite. Nickel. On met la gomme. Ah, Max. Qui regarde ce stade. Oh là là. Ça a été avec le daron. Allez, oui. Oui, elle est belle. Oh, Willy Glace. Ouais, c'est lui. Désolé, les bugs, la base, évidemment. Et le 4-0. Est-ce que le son et le micro est nickel, Max, d'ailleurs? Parce que, y a eu des mecs tout à l'heure qui m'ont dit que c'était de la peau d'Adobe. Et du coup, bah, j'ai corrigé ça, ils m'ont dit que c'était nickel, normalement. Oui, mais un peu trop fort sur le fond du jeu. D'accord. Je vais changer ça. Attends, je vais ripper ce bâtard. Bah non, ce qui m'a niqué. Allez, Steve. Oh, attention, lui, la technique, lui. Oh oui. Oh, ça me gère. Ah bah, j'ai fait faute. Bon, je vais baisser le son du jeu, là. Ah, mais il est déjà très bas. Hein. Je l'ai baissé, là.
Je l'ai baissé, Max, je sais pas si c'est mieux. Nickel, bon, super. Ça joue derrière, ouais. Hop, blocage. Oh, quelle interception. Oh oui, il est fatigué. Pousse-toi! Quand il faut m'aider, genre Max, vas-y. Ouf! Oh, mais je l'ai envoyé n'importe où. Et Kevin? Oh, mais pourquoi il a dégage? C'est pas cadré, bah non. C'est pas cadré. Je vois qu'il n'y a pas un fort décalage, ça va. Je crois qu'il y a un décalage de 4 secondes. Par rapport au direct. Allez! Ah là! Allez le castor! Oh là, super tacle. Allez Max! Oh non, trop long! Oui. Oh! Oh! Bon, est-ce qu'il va faire sa technique ce temporaire? Oh, la retournée! Ah, il a fait la technique! Ouais, il a fait la technique! Sentinelle! Bon, c'est bientôt la fin du match. J'aurais bien aimé faire un 5-0 là pour gagner plus d'XP. Oh, ouais Steve. Oh non. Le gars il fait 1 en plus, tu oses. Ouais, y'a pas Kevin, c'est la merde. Bon, on va le dribbler. Hein. Ah bah non, il va. Ouais, il va me niquer. Il a l'avantage, il est pense. Bon, c'est fini là. L'arbitre. Voilà, fin du match. La victoire. Contre une équipe de primaire. Sniff, on a perdu. J'ai gagné combien d'XP? Tire grenade, clone acrobate. Ah, j'ai gagné pas mal de trucs! Frappe rotative, spirale de défense. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Niveau 10, franchement, c'est cool. Ah, vous êtes plus vieux que prévu. Mais oui, Monsieur Sweet. Génial le nom quand même, Monsieur Sweet. Oui. Monsieur Sweet, tu as joué avec le grand. On sait tous. Hein. On sait tous, t'es un ancien. Hein. C'est l'ancien d'Inazuma. Et Kevin qui veut pas d'Axel dans l'équipe. Hein. Il fait sa grande gueule. Hein. Mais on s'en fout. Allez. Venez aussi vous deux. Allez. Grrr. Ah, Gru qui dit. Oh là là. On voit quand même que c'est limite ça, Kevin. Hein. À se coucher, il est déjà tard. C'est plutôt bien visé. J'espère qu'on pourra se rejoindre ensemble. Oui. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Ah, il veut travailler tout seul. C'est bien. C'est toi. Ah, mais toujours dans l'agressivité. Oh là là là. Le gars, c'est. Tu veux affronter la cité occulte? Bah, j'aimerais bien. Normalement, c'est là. En fait, une fois. Alors. Je vais affronter l'institut occulte. Si je le bats, je suis qualifié au football frontière. Si je perds, bah, c'est mort. Je recommence le jeu à zéro. Je sais pas si je prends le risque d'y aller direct ou je recommence le match contre l'équipe du KFC. Pour gagner de l'XP et pour être sûr de les battre. Parce que là, ça va être trop juste, je pense. Parce que le niveau. Parce que ce premier Inazuma Eleven, il a quand même un niveau de jeu. Allez, va faire ton choc du dragon. Va t'entraîner. Vas-y, Kevin. Tu abandonnes facilement. C'est qui? C'est Monsieur Vétéran? Ah non, c'est Monsieur Sweet. Ah, sa tête, là. Oui. Oui, mais il est attaquant. Il est frappe puissant. Arthur Sweet. Ouais, le choc du dragon. Voilà. Alors, dans le dessin animé, bah, il apprend tout seul. Hein. C'est vraiment tout seul. Vas-y, ils sont nuls sérieux. Ouais, mais j'ai eu des mauvais souvenirs quand j'avais 10 ans. J'arrivais pas à jouer. Après, j'utilisais aucune technique. Hein. On peut y aller comme ça. Hein. Je tentais. Ouais. J'en ai rien à foutre. À toi de décider. Mais oui, on a besoin de ton tir là. Parce que
Mais je vois, ils ont aucun tir. Allez! Un! Oh, les animations, stylées. Cette sensation. Un dragon est apparu dans tout le monde. Il manquerait plus que ça dans la vraie vie. C'est incroyable. Ah, il appelle Papy Carlang. D'accord, bien. S'il te plaît, enseigne-moi cette technique. Eh oui, t'inquiète. Kevin, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Et en plus, un enculé. Il s'en bat les couilles. Allez, ça marche. Il ressemble beaucoup. Bah ouais, on se demande, il ressemble à qui? Ah, de nouveaux joueurs peuvent être recrutés. J'avoue, j'en ai rien à foutre. Franchement, ils sont pas très forts. T'en as 19 maintenant. 19 quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il regarde. Il veut rejoindre. Et oui, Nelly a raison. Elle est bien convaincue. Elle essaie de convaincre Axel de reprendre le foot parce que sa sœur, elle serait pas contente sinon. Parce qu'elle est dans le coma, sa petite sœur. C'est trop. C'est... Ah oui, elle est 19 ans. Ouais. Je pense, hein, j'ai 19 ans, je suis pas sûr. Ouais, j'ai 19. Allez. C'est vrai que 9 ans après, hein, le jeu est sorti en 2010, je crois, sur DS. Hein. Pourquoi j'étais fou quand ils ont sorti le jeu sur DS? Demain. Ah, c'est demain, grâce au programme d'aujourd'hui. Je suis tout en fait d'entraînement. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi, hein? Bracelet voyant. Ah, ça, il faut que je m'équipe quand même pour gagner des trucs. Hein. Bon, allez, on va passer, on s'en bat les couilles. C'est pour gagner dans de la hard, des trucs comme ça. J'aurais bien aimé recruter le petit Paul hein, dans le jeu. Je ne sais pas où il est. Et donc, aujourd'hui, on va se traîner avec les gamins. Et faire son clapet footing jusqu'à la venir. Oh putain, le gars est super vénère. On dirait qu'on a deux capitaines. Ah bon? Ah d'accord. Il y a quelqu'un en haut à gauche. Hein. Bah oui, tiens. Bah Sylvia, tu l'as cramé, là. Ah oui. J'ai l'impression que quelqu'un nous observait. Ah bon? Ah, c'est un peu guignol, ce jeu, quand même. Hein. Sur les bords. Hein. Julia. Je... Oui, mais tu meurs d'envie de taper dans un ballon. Arrête. Arrête. On va aller s'entraîner à la rivière, d'accord. Allez, on court. Nous allons aller à la rivière. Et le petit Paul là, comment on le recrute? Il est pas à la tour parce que moi je veux trop dans mon équipe Paul. Ah c'est terrain tennis mais il est pas encore débloquable dans le jeu je crois. Allez vas-y. Bon les défis on s'en fout, moi je les passe. Hein. On se fait refoutre maintenant, je vois. Ah y'a un coffre, j'avais pas vu. Allez go. Motivation. D'ailleurs, on va faire ça maintenant. On va faire inventaire, équipement, accessoires. Super! L'endurance, on s'en fout. Bracelet voyant, c'est quoi? Encourage les joueurs à vous défier. Oh, bon, oui. Et endurance, qui est pour en endurance? Moi, bon, j'aurais mis oui, mais. Ah, je vais me mettre à Todd. Il est où Todd? Il est là. Ah, bon. Bracelet populaire pour gagner de l'endu. Allez, c'est bon. Allons à la rivière. Oh là là, le défi. En garde. Fuite. T'imagines, il y a des gens dans la rue qui t'agressent pour faire un défi de foot. Qui te prennent de l'argent. Bah, y'a pas de match, hein, normalement. Donc, cassez pas les couilles, hein. Sérieux. Oh, c'est vous. Oui, l'enfer lancé, c'est ça, allez. Oh, c'est bien ça. Ça travaille dur hein, pour se qualifier en football frontière. Hein. Bien, ça suffira pour aujourd'hui. Reposez-vous bien de demain. Ok, c'est le match. Ça. Là, je suis chaud là. On va les niquer ces occultes de merde là. Ah là, il va réussir sa technique. Là, c'est obligé. Il va réussir.
Axel, je suis au studio. Ok, bah vas-y, montre ce que t'as dans le ventre. Allez, choc du dragon! Oh, qu'est-ce que c'est stylé l'animation. Il a réussi! Ah la vache! Tu as réussi, Kevin! Je l'ai fait avec ça, je suis du niveau Axel. Je suis du niveau Axel, bah bien sûr! Et bien sûr! Bien joué les jeunes, mais restez sur vos gardes. Je veux qu'on t'en ait bien. Ok, c'est bien. C'est bien, Monsieur Sweet. C'est bien, Monsieur Sweet. On vous remercie beaucoup. Maintenant, on se barre. Ah, la balise de l'exercice. Le truc qu'on fait jamais. D'accord, on peut s'entraîner. Hein. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Franchement, je l'ai jamais fait ça. J'ai dû le faire 2-3 fois, ça. Les balises. Un coup de sauvegarde, ça va. Ouais. Voilà, sauvegarde. Nous y voilà. Allez. On dira la malédiction. Allez. Oui, je suis chaud là. Allez voir Sylvia. Alors tout d'abord, oui, ça dégage. Est-ce que mes joueurs. Non, ils ont pas été soignés, mes joueurs. Ah. Ils sont casse-pieds, hein. Allez. Allons au local. Oh, la musique est merveilleuse. Est-ce que j'ai accès au terrain de tennis? Oui! Oh punaise, j'ai accès au terrain de tennis! Il est où? T'es où, Paul? Oulala! Je te cherche, Paul. Non, il est où, Paul? Oh, les défis de merde. C'est infâme. Oui, allez, dégage. Oh, mais comment on a Paul? Paul. Ah, coffre. Je crois qu'il est à gauche, là. Oh là là, les défis. Mais c'est bien. Allez, dégage. C'est bien. Je crois que c'est lui, en gros, à gauche. J'espère que c'est lui. Oui, c'est lui. Oh, le bordel. Tu rejoins. Enfin, si c'était comme un connard, ça s'appelle du harcèlement. Je vous le conseille fortement de le faire, dans la vraie vie. Avec plaisir. Oh. Allez, viens. Allez, viens. Ah bah c'est bon. Harceler les gens pour recruter des membres de votre équipe, les gars. Niveau 10 en plus, hein. Franchement, c'est bien. Et bah voilà. Oui, bah c'est bien. Maintenant, go voir Sylvia. Du harcèlement, hein. C'est terrible. Mais allez, boss. Alors, pas d'animation, s'il vous plaît. Voilà. On se soigne. Parce que je crois qu'il n'y a pas de... On n'est pas soigné automatiquement. Mais non, je veux pas recruter quelqu'un. Allez. On est parti. Il arrive à nous rejoindre. Oh, c'est beau. Axel. Bah, l'autre limite, c'est... Qu'est-ce que tu fous, là, Kevin? Allez. Rejoins-nous. Est-ce qu'on a droit à une petite vidéo quand ils arrivent, les joueurs d'occulte? L'équipe a besoin de Marc, Axel et Kevin. Ah bon? Oui, c'est bon, ils y sont déjà, normalement. Oh merde, attends. Oui, c'est bon. C'est bon, il y a Paul dans l'équipe. Tout va bien. Marc doit garder le but. Oui, Kevin doit être. Kevin, quoi, il doit être? Non, j'ai mal lu. Bah, toi, tu dégages. Et Paul, t'as quoi comme technique, toi? Clown acrobate. Technique de dribble. Hein. Ah oui, technique de tir. Moi j'ai quand même envie d'enlever ça, mais football. On a deux mini-moys, hein, voire trois maintenant. Je pense que c'est bon. Sortez votre stylet. Je suis Ekil, Jade. Voyons, donc, c'est Jade. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ravi. Allez.
Talisman, qu'est-ce qu'il est stylé lui. C'est vraiment flippant. Toujours aussi peureux. Allez, oui, t'inquiète pas, tu vas faire le choc du dragon, tu vas niquer tout le monde. Allez, vas-y. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses quand même. Là, ça, quand même, ça reste quand même une bonne équipe. Hein. Au plus. Alors, la composition. Mark Evans, Jim Paul, Nathan, Timmy, Paul, okay. Steve, Max, Todd, Kevin, Axel en attaque. Devant. Donc, il y a le masque. Ok, il est type R. Donc, Kevin, il est plante. Donc, il a l'avantage. Axel, par contre, il est désavantage. La défense à 4, ok. Ok. C'est bon, alors. Ça va bien se passer. De toute façon, je crois qu'on marque dès le début. Hein. Non, pas du tout. Hop. Derrière. Hey Paul! La profondeur! Mais non, t'es sérieux? Oh oui! Kevin! What? Ah! C'est parti! Mange-toi ça! Choc du dragon! Ah! Oh, bah d'accord, j'ai. Ah, je peux le tirer après. C'est quoi? Lame gardien. C'est bon. Nickel. Et ça passe! 1-0 mon gars. On continue comme ça. Pour le Kevin. Vous êtes doué. En deux microbes. Vous en tirez pas comme ça. Quoi? C'est bizarre mec. C'est le meilleur moment de regretter. Avec plaisir. Les types de cul. Oula. Ça pue. Non ça va. Prenez-lui le ballon. Ah ouais j'ai ça moi. Utilisation. Oh, quelle défense de Max. Vous goûtez. Oh non, blocage spectral. Et la musique épique qui chante. Non! C'est pas le moment! C'est la catastrophe, Ada! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, vous êtes bloqués, les gars. Ah là, on est baisé. Hein. Mais il bouge pas. Ah! Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, Marc. En plus, ils rentrent en frénésie. Oh, ils sont infernaux. La musique, en plus, elle est éclatée. Tire fantôme. Voilà. Vous êtes contents, vous avez marqué. Pauvre deux. Vous allez perdre 5 points. Mais si tu savais. Complètement paralysé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mince, mon corps répond plus. Comment je vais faire pour réaliser mon choc du dragon? Écoutez, il faut que vous fassiez le ballon. Ah, lui, il pense qu'à ça. La première mi-temps s'achève. Ah, bah d'accord, super. Donc, on a joué 10 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va faire rapidement. Hein. Il faut se détendre. Inverser, briser. C'est ça la technique. Là, faut que je remarque quand même un but. Ce n'est qu'un début, vous allez souffrir face au blocage spectral. Aïe 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 aïe. Maintenant, fermez tous les yeux. Ne le regardez surtout pas. Quoi? C'est non en plein match. Il veut pas encore faire son malin. L'autre qui rage. Pour l'instant, faites ce qu'il dit. Hein? Je peux bouger. Mais oui. Un blocage. Ok, c'est de l'hypnose, hein. C'est bon, on peut les niquer, là. C'est bon, on peut jouer, enfin. Voilà. Oui, allez, on récupère le ballon. Axel devant, Kevin devant. Subtilisation. Là, il faut pas se foirer. Oh, bah voilà. Il fallait que je me prenne un petit pont quand il faut pas. Voilà. C'est la merde. C'est bon. Oh, c'est Jacouille! Un Jacouille, heureusement qu'il est là. Allez, Kevin! Allez, Kevin! Il est où, Axel? Ah bon, j'ai failli tirer à côté. Ah là, faut pas déconner. Là, c'est bon. On fait la petite tornade de feu. Bam! Lame gardienne! Allez, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Oh, il a arrêté, mais non! Mais genre, tu l'arrêtes! Ce tir était raté d'avance. T'es
l'impression. D'accord, oui, il faut lui envoyer le ballon pour qu'il fasse tornade du dragon. C'est compris. Allez, Ah, il est pas en jeu là, hein, si je fais ça. Hein. Par devant. Et bah voilà, il fallait que Toad y soit. Ok, c'est pas mal ça. Là, si je fais ça. Ok, normalement ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Utilisation, c'est bon. Allez, centre. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Axe. Et on va perdre, hein. On va perdre, hein. Ça pue. Hein. Fin de la frénésie. Ok, déjà, ça va les calmer un coup. Jim! Fais pas le con! Ouf! C'est bon. Contre-attaque. Oh, y'a personne. Ah ouais, bah ouais. Ah, je peux peut-être le dribbler, j'ai l'avantage. Voilà. 15 minutes. Oh là 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 là. Faut marquer, faut marquer, faut marquer. Mais non. Allez, te foire pas, s'il te plaît, Jim. C'est bon. Ok. Oh, je l'ai envoyé comme un connard. Oui, allez, 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 allez. Non, d'où? Mais d'où? Genre, t'es sérieux? Ok, c'est bon. Oh, j'étais pas bien. Oh. Allez. Dommage. Ah, il va faire 10. Mais c'est mort, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu, mais non. Bah, je sais ce qu'il faut faire, mais j'aurai pas assez de temps. Sauf si je fais ça. Non, ça va être mort. Ah, ça va être mort, ça va être mort, ça va être mort. Ça va être mort parce qu'en plus, l'autre couillon, il est hors jeu, je crois. S'il te plaît, Max. Ok. Super. Ça va être chaud. Hein. Ça va être super chaud. Non, c'était pas pour toi. Mais oui, t'étais hors jeu. Bon, là, on va tenter le tout pour le tout. Non. On va tenter le tout pour le tout. Ça, c'est mort. Dans l'axe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, Max. Tu vas se monter d'un cran. Il va jouer derrière. C'est obligé. L'axe à faire. Allez, on tente. Oh, je suis trop près. Allez. Allez, monte. On monte tous. Ouais, c'est mort. Putain, j'ai trop le seum. Alors là, on peut jouer à un truc de fou. On peut tenter un truc de fou. C'est que là, Steve récupère le ballon. Ah non, ça va être mort. Oh non, j'ai cliqué, foutez de ma gueule. Oh non. C'est fini. Non. Mais non. Oh là là. Eh ben, super. Oh putain. Dommage. Dans mon 2D pas. Bah oui, bah regarde ce qu'on va faire. Tatin. Ah là 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 là, le dégoût. Regardez ce qu'on va faire, c'est plus rapide. Ah là 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 là. C'est inadmissible ça quand même. Oh, sans déconner. Oui, non mais c'est bon. Fatigué. Mais non. Il est où, Max? Voilà. Allez, c'est bien. En fait, j'ai pas compris. J'aurais pas dû faire la... Attends, quel concours de merde. J'aurais pas dû faire la passe à Axel quand il a fait la tornade de feu. Oui, mais non, mais je voulais foutre. Ah, ok.
Je pense que c'est bon ça. Après, il faudrait que je me foute en frénésie aussi. En plus, j'avais marqué dès le début. C'est abusé. Kevin, serait bien que tu viennes. Parce que j'ai du mal à déplacer l'écran. Ok, vas-y. Maxou, t'es encore sur le live ou pas? C'est parti. Lame gardienne, allez, ça rentre. Oui, il est encore. T'as kiffé ou pas le match milieu là? On continue comme ça. Allez, bande de microbes, c'est bien. Et vas-y. Parle. Hop. En vrai, je peux marquer un deuxième but avant la mi-temps. Enfin, avant le son blocage de spectral de merde. Pas trop. Super. Allez, je récupère le ballon. Allez, super. Vas-y. Vas-y, Marc. Tire fantôme. Ouais, j'ai marqué. C'est bien. Eh ben... Quand même faire des défaites comme ça, c'est inadmissible. C'est dur jouer sur, sur PC. Allez, c'est parti. Nyan. Fermez les yeux, les gars. On sait jamais. On sait jamais si on ferme les yeux. Voilà. Oh non, lui, la disparition. En vrai, ça passe. Si je fais... Personne. Et toi, Kevin, par contre, tu pars comme un connard. Hein. Allez, s'il te plaît, ça passe. Oui, ça passe. Ah, t'es hors jeu. Oh putain, c'est pas possible ça. Dribble-le, t'es meilleur. Oui. Le petit pont. Super. Allez. Bon. Il va l'arrêter, il faut la retirer une fois et c'est bon, c'est fini. On parlera plus. Dommage. Distorsion. Super. Allez. Il faut faire la tornade du dragon. C'est ce qu'on attend tous ici. Oui, c'est bien. Allez, vas-y. Redescends, redescends. Ah, bah oui, c'était sûr ça. Ah, oui, Max, pour toi. Oui. Non! Oh. Il va faire sa technique là. Je crois qu'il a taclé. Il s'en bat les couilles. Vas-y, Steve! Tacle-le! Voilà! Alors là, on se voit pas dans la profondeur, au centre. Oh, c'est bon. C'est un beau ballon. C'est bon. Alors là, c'est bon. On vous baise là. Ah là, je vous laisse kiffer l'animation. Allez, tornade du dragon. Bim. Bah voilà. Quand même. 2-1. Yes. Bah ouais, on vous baise. 15 minutes de 1. Tout à l'heure, j'ai galéré. Mais ouais, mais cours. Ah non, frénésie. Comment je fais frénésie déjà moi? Ah, je peux pas. Faut que je change dans mes commandes. Vas-y, fauche-le. Son bali couille. Ah non. Oh, 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 et. Non, ça passe pas. Putain, je pensais qu'il allait faire une passe. Pas trop dessus. Tacle-le, Steve, t'es meilleur que lui. Super. Steve, il bouffe. C'est bien. Lui, il est désavantagé. Dans la profondeur. Oh, il est belle. Oh, un triplé de Kevin. Oh, on peut rentrer dans le but, là, regardez. Non, ça passe pas. Si, c'est bon. Oh, c'est bon. Yes. Et le 3-1. Super. Bon, là, on a tué le match, hein, je pense.
Blocage, allez. Nickel. Et Kevin, il nous fait le match de sa vie, là. Oh. Oh. Ah. Ah, j'ai pas de technique de tir. Oh. Ah si, j'ai une technique de tir. Ah oui, c'est bon, on va marquer sur ça. Tir en spirale. Je pensais que j'avais que technique de défense. C'est bon, ça va, c'est 4-1. C'est bon, c'est bon. Je pense qu'on a pris notre revanche. Hein. Monsieur Zocult. Hein. Ah, c'est parti, là, c'est gros tryhard. Là, on s'en bat les couilles. Vous avez cassé les couilles. Ah, il va nous faire disparition. Non, c'est bon. Ok. Pourquoi pas. Bien joué. Putain. Et moi, je le vais. Oui. Oh non! En vrai, il a pas. Putain, quel enfoiré. Ok, fin de la frénésie. Allez, j'ai couille. Interpose-toi. La fin du match. Yes! Et c'est la win. Yes. Tire 5, 0 tir ils ont fait. C'est bien. Sam a gagné tir grenade. Oh, ils ont gagné que des tirs. Pas de dribble, pas de défense quoi. C'était très bien. Et ben là, on est qualifié au football frontière. Pas par contre, je suis pas d'accord. La provocation, allez, c'est bien. Qualifié au football frontière, ça c'est stylé parce qu'en cas de match nul, il y a des prolongations, des tirs au but, et ça c'est dingue. Ça. J'adore ça. Oh là là. Ah, ça y est. Allô? Ils ont battu l'équipe occulte. Si on fait pas quelque chose au plus vite. D'accord. Je voulais me foutre de sa gueule, mais ça a pas marché. J'étais à l'œil. Crois pas pouvoir te jouer à deux mois. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé. Ils doivent mettre sa voix dans le jeu. Sauvegarder la progression. Ça rien que je sauvegarde là. Par contre, je vais faire un coup de sauvegarde ici, sur le vrai. C'est bon. Chapitre 3. Oh. Conspiration à Raymond. Ben voilà. Conspiration à Raymond. À Raymond. À Raymond. Les qualifications régionales pour le football frontière, vous commencez. Ce n'est pas comme l'an dernier, cette fois, on va arrêter l'équipe. Ah, ça c'est vrai. Cette année, on va se qualifier le tournoi national et gagner. Aurélia. Craquant. Oh, punaise. T'es Amérique depuis quand, hein? Il m'a demandé où se trouvait votre local. Ah, c'est Bobby. Bobby, est-ce que vous vous rappelez de lui? Allez au local. Bobby, c'est le pote à Sylvia et d'Eric. J'adore ce gars-là. Moi, je le kiffe. Ah, oh, mais le Penchy, dégage. Hop. Est-ce qu'on a été heal après la fin du match? Oui, on a été heal. Oh, les défis, pour changer. Ah, oh, tais-toi. Moi, je fais fuite, hein, je n'ai rien à foutre. Allez, il y a un nouveau qui veut rejoindre notre club. Avec plaisir. Rabobi. Qui se rappelle de lui quand même? Pardon? Salut poupée, qui dit? Oh putain, le mec. Salut poupée, jamais il dit ça dedans. C'est quoi ce dragueur? On est sur quel jeu? Oh putain. Avec son pénis. Son pénis. Oh là 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 là, j'en peux plus. Oui, avec son phénix, puis le tripé gaz. Max, oui. C'est ça le local. Oui. Non, bah attendez. Salut poupée qui dit. Non, mais faut arrêter, les gars.
Sans déconner, non, mais où? Tu as un deuxième follower? Ah bon? Ah oui, empereur des huîtres! Eh ben écoute, merci beaucoup, empereur des huîtres. C'est très gentil de ta part d'avoir t'abonné. C'est gentil, c'est gentil. On parle déjà de moi dans tout le collège, les nouvelles vont vite. Et oui, t'es connu, je m'appelle Bobby Shearer. Je voudrais intégrer l'équipe en tant que défenseur, si possible. Bien sûr, je t'accepte. Encore un type bizarre. Toi, on a rien à foutre. Toi, tu dégages. C'est Bobby, The Bobby. Et du coup, on tombe contre le collège Wild. Le collège Wild, je vais y arriver. Qui veut dire sauvage en français, si vous ne savez pas. Qui est arrivé finaliste l'an dernier contre la Royal Academy. La Royal Academy. Ouais, dégage, Nelly, tu nous casses les couilles. En tout cas... Alors, je me suis trompé de fenêtre. Moi, c'est Marc, je suis capitaine. Un nouveau copain. Ouais, repose-toi. En vrai, je l'aime bien, Bobby. C'est... En vrai, il est pas du tout comme ça dans le dessin animé. Il est pas du tout dragueur. Hein. C'est dommage qu'ils ont balancé comme ça dans le chat. Salut, poupée. J'en reviens pas. Oui, c'est un... Alors, Bobby, il faut savoir que c'est un espion de la Royal Academy, en vrai. Après, bon, je vous dis des spoils, mais tant pis pour vous. Allez au local, d'accord. Bobby, oui, c'est un espion de la Royal Academy. Bonjour à tous. Oui, ok, on est au courant. On sait que vous deux, vous faites partie de la Royal Academy, les gars. On le sait, hein. C'est cool, hein, y a du monde qui rejoint et tout. Allez, ça parle trop par contre, hein. C'est dingue. Et oui, c'est quoi l'équipe Corcoat? Bah l'équipe Corcoat c'était l'ancien club d'Axel Blaze. Oui, t'inquiète pas. Ah là là, heureusement que je lis pas, hein. Putain, on en serait encore là à 2h du matin. Allez, barrez-vous. Je te conseille de rien à dire à propos de tu sais quoi. Je suppose que ça t'arrange aussi, je me trompe. Mais vous êtes potes en plus, arrêtez. Ils font genre qu'ils sont... Qu'ils s'aiment pas, mais si. Mais au fait, toi aussi Sylvia, tu as vécu en Amérique, non? Moi, eh ben, oui, c'est vrai. Bref, allons plutôt à la bibliothèque. Oh là. Ah d'accord. Il a faim, parce que moi j'ai faim. Oh là là. Vraiment pas l'air t'inquiéter. Bon. Allons à la bibliothèque, hein, si ça te fait plaisir, madame. Ouais, bah on s'en fout les recrutements. J'ai vraiment pas envie. C'est réjouissant, mais j'avoue que ça m'angoisse un peu. Mais c'est trop cool! Ah, du coup, j'ai accès aux matchs amicaux. C'est un truc que je ferai hors live, les matchs amicaux, hein, pour que ça soit relou. Parce que je pense qu'on en a rien à foutre, les matchs amicaux, c'est surtout l'histoire. Hein. Et si vous progressez, il y aura beaucoup d'autres adversaires à affronter. Ouais, ça marche. Bah, c'est gentil, hein. Il faut aller où? Le petit frère, Zach. Oh, grand frère. C'est plutôt gros frère, quand même. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'apporter ce que tu avais oublié à la maison, tiens. Boulette de riz. Oh, bordel. J'ai oublié ton goûter en partant. Oh, putain. Je me suis dit que tu devais avoir faim. Alors, je te l'ai ramené. C'est trop mignon. Le petit frère qui pense à son grand frère. Bon, c'est tes assistants du club de foot. T'avais raison, ils ont l'air super nuls. Oh putain. Oh la vache. Comme ça. Allez, Marc, c'est le moment de casser la croûte, il faut s'entraîner. Ouais, mon frère, c'est fait. Oh, mais... Ah, mais il sort des trucs. Oh, punaise. Pardon, je suis désolé. Ah oui, je rigole, mais autant c'est ridicule. Il s'appelle Zach. Il prend pour un héros et... D'accord. Alors je lui ai dit que j'étais la star de l'équipe. T'abuses un peu là. Abuse non. Alors Jacques, c'est le moment de casser la croûte. C'est le craquage. Faut battre l'équipe Wild pour rester un héros aux yeux de ton petit frère. Oui, bon allez. Jacouille vous accompagne. Bon, je me fous de sa gueule à Jacouille, mais je l'aime beaucoup hein, ce gars-là. Il est indiscutable dans la composition. Allez à la bibliothèque, d'accord. La bibliothèque. Pourquoi on va là-bas? Ah, c'est pour la technique, pour défoncer l'équipe Wild. Parce qu'il faut les dégager, ces bâtards.
Ouais, bibliothèque, alors c'est à gauche, je crois. Oui, c'est la bibliothèque. Oui, c'est celle-là, faut aller voir. Oh, Marc, tu tombes bien. Tiens, j'ai trouvé des bouts de papier très étranges. Regarde sur les. Fouille la bibliothèque. Normalement, il y a une petite étoile bleue, voilà. Il y en a plusieurs. Ah, subtilisation! Bah, je le connais déjà avec Max. Oui, bah, c'est bon. Oui, je connais, merci. C'est quoi ça? Tir hélicoptère. Oh. À un moment donné, les gars, voilà. Disparition. Bon, ouais, c'est un peu éclaté. Vivement qu'il y a la rue commerçante qui soit ouverte parce que là, il me faut. Et là, il y a encore un truc. C'est quoi? Trampoline du tonnerre. Donc, ce sera la technique pour marquer contre le Collège Wild, sinon, je suis éliminé du tournoi. Bizarre, c'est celui différent des autres. Trampoline du tonnerre. Pas de bol, le papier a été déchiré. Ah bah tiens! Trampoline du tonnerre, la classe. On se demande c'est pour qui un hein, trampoline du tonnerre, hein, quand même. Voilà, retourne au local. Vous obtenez page déchirée. D'accord. Demandez à la bibliothécaire. Cathy Perry, je n'ai pas le temps. Bah, d'accord, super. Vous tombez bien. Qu'est-ce qu'il te faut, madame? La zone de gymnase, j'ai pas lu. Au club. Allez au club de manga. De manga? Il y a un club de manga? Genre. Il y a un club de manga. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Hein. Et les défis, allez hop, c'est reparti. Fuite! Et on perd de la thune. Ah, ça c'est chiant, putain. Club de manga. Ah ok c'est ça. Ah j'avais pas compris ce que c'était. Ok non mais j'avais pas compris. Ok c'est un peu. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais pour le coffre? Ah une technique de défense. Sosie. Que des techniques d'occulte. On va parler à tout le monde. Hein. Quelque chose. Ah, c'est bon, c'est lui, je crois. Je vous avoue que ça me dit rien. Je vais tout brûler. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ils sont encore fiers en apportant des planches très importantes. La date butoir approche et à chaque fois, il perd la tête. Il va sûrement encore tout brûler, même le livre qu'il a emprunté à la bibliothèque. Quoi? Un livre de la bibliothèque? Essayez de le raisonner. L'incinérateur se trouve au nord en sortant d'ici, derrière le poulailler. Un poulailler? Qu'est-ce que c'est encore ce délire? Vite, il faut le suivre. Il n'y a pas un coffre sinon là-bas. De toute façon, ici on risque rien, il n'y a pas de défi. Ah, c'est le commentateur! Oh oui! Quoi? Comment je m'appelle? C'est Chester Horst, un truc comme ça. L'ami, tu n'as qu'à dire mon nom. La main du. Ah, ok. Faut le dire à Célia. Mais je sais plus, c'est Mister. C'est le commentateur, lui, on est d'accord. Hein. Je crois que c'est le commentateur. Hein. Mais oui, c'est lui, c'est sûr. Oh, et on passe pour. Allez. On va monter là-haut. On va faire ça vite fait quand même, parce que j'ai pas tout. Voilà, coffre. Ok, une compo. Pour les défis, le truc, rien à foutre. Oh là 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 là, il y a pas assez d'espace, infâme. Ok, allez, on se casse. J'avais quand même envie de parler au PNJ, mais de toute façon, le PNJ ne donne rien. Alors, il est parti au poulailler. Ah oui, bah, il y a un drapeau à droite. Ah oui, un poulailler. Et what the fuck? Ah, il y a un coffre, on a vu. Un coffre à la piscine. Allez. Ah, il y a des coffres. Arrête, ne fais pas ça. Oh, monsieur vétéran. Brûlez, tout brûlez.
Oh, carrément. Oula. Oh, Jakku entre en scène. Les jeunes d'aujourd'hui. Par contre, il y a des coffres. En vrai, je suis chaud pour les prendre après. C'est trop tard. Technique brouillée, c'est... On va s'entraîner pour faire trampoline du tonnerre. Oui, 11 d'Inazuma. Voilà. Il y a 40 ans, il y avait une équipe, c'était 11 d'Inazuma, dont le grand-père de Mark Evans, qui était gardien de but aussi, qui était champion du Japon. Enfin, champion du pays, en tout cas. Et c'était le collège Raymond, mais c'est ça, ils appelaient les 11 Inazuma. Voilà. Jusqu'à ce qu'il se passe un accident. Voilà. T'en dis pas plus, hein, pour éviter le spoil. Je suis quand même un gars sympa. Allez à la rivière, d'accord. Que des voyages, hein, quand même. Oh, allez, on s'en fout, le truc de film. Ah, animation. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Bobby. Oh, Bobby! Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis venu voir les poules. Allez. Sans déconner. Niveau 7 seulement? Genre, t'es sérieux? Niveau 7? Bobby, ça compare. Avec la musique épique à chaque fois, franchement, ça me fait trop bader. Non, je voulais le coffre! Non! Ok, Jack, il reste là. Oh, mais c'est un magazine. Un magazine coquin. Rien du tout. D'accord. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et non, je voulais prendre. Je suis en avancé. Oui. Genre, ils vont mettre ça à chaque fois un verrou de la chaîne de relations. Ça va quand même. Oh là 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 là. Dégagez. Oui, je perds de la thune, c'est une catastrophe. Oh là là, tous les deux pas, il y a un défi. Ah là 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 là. Oh, tous les trois pas. Mais c'est un délire, faut pas déconner non plus. Barre de céréales. Aïe 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 aïe. Moi, je suis obligé de le faire, hein. Sinon je vais faire un game over. Et non, je voulais pas faire en force, mais putain. Perds pas le ballon, s'il te plaît, Bobby. Hein. Voilà, nickel. Alors, on va passer ça. C'est bon. Nickel. Tintin. Ah, c'est pas possible, y'a que ça. C'est infernal. Mais genre, sérieux? Oh là 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 là. Oh non. Mais c'est fait exprès ou pas? Parce que genre, si vraiment j'avais fait tous les défis là... Ah, ça vaut le coup peut-être ça. Clé du club de baseball. Bon, on ira plus tard. Nick. Rivière. Oh là là, les défis. Fuite. Prenons la fuite. Attention, accélération. Ah non, ça va, ça va marcher. C'est quoi leur compo là? C'était sérieux? Ah ouais, ça va, les gars. Hop, un bâtard. Mais Kevin. C'est bon. C'est sympa hein, la touche hein, pour accélérer quand même. Juste le temps de... Putain. Allez. Oh, ça m'énerve. Et oui. Ah. Rivière. Allez, on va apprendre la... La technique trampoline du tonnerre. Ouh. Ouais.
Ah, c'est quelle équipe ça? Ah, c'est pas Umbrella? Un truc comme ça? S'il te plaît, aide-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est qui ce type? Je l'ai jamais vu. Et toi t'es qui? Nous on est le club de foot du collège Umbrella. On est en train de parler avec cette gamine, alors ne viens pas me déranger. Ils sont venus ici, mais ils ont plus de choses ensemble. Depuis qu'ils ont gagné le terrain, ils disent que ça leur appartient. Ah bah non, c'est pas gentil ça. Comment tu peux t'en prendre une fille comme ça, toute mignonne, équipe du KFC? Non, je suis pas prêt moi. Tu sais pourquoi je suis pas prêt, bonhomme? Parce que... Voilà, on n'est pas île. Et ça m'énerve. Et voilà, ici, il n'y a pas de... Bah, je crois que c'est auto... Hey, est-ce que c'est... On est soigné automatiquement dès que le match il commence? Non, mais vous êtes sérieux? Ils nous font spawn là! Je sais pas si on est heal, hein. On verra bien. Est-ce qu'on est heal? Je sais pas si on est heal. Je ne sais pas du tout. Bon, on verra bien. Oh, s'il vous plaît. Vas-y, viens. Est-ce qu'on a été soigné? C'est juste ça qui m'embête. Oh, la tête qu'il a au lui. Allez. C'est parti. Umbrella. On est parti. Oh, la musique, elle est insupportable. Faudrait que je mette une musique de fond, là, parce que là, c'est pas possible. Ah, il manque Jacques, du coup, là. Et du coup, on n'a pas été soigné. Super. Bon, on va mettre Bobby dans l'axe. C'est quoi leur technique? Frappe rotative, ok. Tire, ok, on va mettre Sam, Paul comme ça, non. C'est mieux de faire ça. Paul là, ça va être mieux. Todd là. Ok, je pense que c'est bon. Ça va être bon. Ouais, je pense. Bah, moi je pense pas. Du coup, on a pas été heal. Allez, c'est parti. Bon, là, normalement, c'est une victoire. Tranquille. Hein. Y a pas une grosse équipe en face. Nickel. Allez, ça rentre ou pas, ça? Ouais, c'est bon. Et but de Max. Restons sur nos gardes. Enfin, je vous avoue que après le stream, je vais regarder la série sur Netflix. Ah le bordel. Qu'est-ce que c'est trop bien, désolé. En vrai, je stream ça parce que pour sortir la série. Enfin, c'est dingue. Alors ça c'est nul. Oh Max, oh mais il est trop fort Max. Allez Max, ah, va seul, hein. Vas-y. Hein. Oh, tu mérites hein, ton deuxième but. C'est bon. Tire en spirale. Bam. Arrête le lion. Normalement, ça rentre. C'est bon. Et 2-0. But ! C'est le résultat de nos efforts. Normalement, il n'y aura pas besoin de s'entraîner contre le collège Wild si je gagne ce match. Mais là, je suis quand même bien parti. Je pense pas qu'il y aura de problème. Bon, on va éviter de faire la technique. Tu l'as, Max. Allez. Oh là là, Max, il est trop, trop fort. Ah. C'est bon. Oh. Oh. Oh non, je l'ai pas eu, non. Il va l'avoir. C'est bon qui siffle le pénalty, hein, l'arbitre là. Ah non. Ah, oh, ça y est, entre en frénésie. J'aurais dû cliquer plus tôt. Ah, le gars il a. Mais Paul, mais t'as rien à faire là. Et voilà. Paul il en a rien à foutre.
Ah super. Oh super. Ah il nous a mis Ah mais tacle dans la mort, ça fait faute ça. On va tacler hein. Oh super. Ah Bobby c'est bien ça. Ouf. Paul. Max, faut que tu montes. Voilà, c'est bien ça. Ok. J'aurais dû avancer. Okay. Hop. C'est vrai que dans le jeu, on peut pas améliorer nos techniques là. On peut pas. Il n'y a pas genre de coup 2 ou machin. Il n'y est pas. Allez, arrêtez, Guillaume. Bam. Troisième. On va partir devant. D'accord, j'ai bon pari exprès. Blocage. Non. Je crois qu'il va me dribbler. Il a. Ouais, il a dribblé Rafa. Ça c'était sûr. C'est pas grave. Quand j'ai pas de technique en défense, c'est trop chiant. Ok, allez-y. Mais oh là là. Timmy. Bien joué ça. Oh bah d'accord, faute, allez. Cage. Okay, ça y est bon normalement. Voilà, il joue derrière. Oh il veut le passe. Oh non. Oh il l'a su. Oh, super. Mais ça normalement il y a faute hein. Tu peux faire faute comme ça, c'est chiant. 8 ans. Bon. Crotte. Allez, finalement il est en ça pour jouer au foot. Allez, on se donne à fond. D'accord. Bon, je vous avoue que j'en ai rien à foutre de cette équipe. Tous devant. Vas-y, tacle-le, Timmy. Voilà. Hop. Vas-y, venez, venez. Voilà. Mais t'es hors jeu, Maxé. Normalement je les dribble. C'est bon, ok. Mais il est con. Et j'ai pas charge en flamme. Super, heureusement que Axel il est fort. J'ai envie de marquer avec Kevin. Hop. Choc du dragon, ça suffit largement normalement. Hop. Oh, je crois qu'elle est pas cadrée. Même. Ouais, c'est bon, elle est dedans. C'est le résultat de nos efforts. Nickel. Allez, le petit tacle. Ok. Super. Ok, y a pas d'hors-jeu. Voilà, là j'étais nickel. C'est bon, il nous dribble. Oh là là là. Il faut que je tire. Merde. Oh putain. J'ai mal visé. Ok. C'est bon. Pourquoi pas. Nickel. Sans faute. C'est bon. Allez, je suis dans le monde. Bon là c'est une correction hein. C'est le résultat de nos efforts. Bon dans le collège Raymond. Enfin dans l'équipe de Raymond, quelle est l'équipe. Enfin quel joueur est le, vous appréciez le moins. D'accord, ok, super. Vas-y tacle-le. Dégager Kevin parce qu'il a pu te péter. Ouais, parfait. Ah, ah, je l'ai pas eu. Oh, j'ai l'avantage. Je peux le dribbler. Je peux le dribbler. Non, je l'aurais pas. Ah, si c'est bon. Oh, Kevin. Ah, je voulais passer à Todd.
Non, je pense qu'il va le prendre parce que je prends des avantages. Ouais, bien joué. Je dis quand même bien joué à Nordi, hein, quand même. Ok. Bien joué, Kevin. Bon, je sais ce qu'on va faire. Si tu l'as, Kevin, on va tenter un truc. Ah, j'ai pas les tirs de loin. C'est pas affiché sur mon écran. Ah, oh, mince. Ah, je peux pas le faire maintenant, peut-être. Bon, Kevin, là, il est chaud. Ah, Kevin, là, ça y est, il est mort. Y'a pas de hors-jeu. Allez, c'est bon. Tire combien ? C'est bon, c'est cadré ça. C'est cadré. Sam. Et le mec avec les cheveux gris. C'est Jim. D'accord. Voilà, Sam, je peux comprendre. Par contre, Jim, je l'aime quand même bien. Mais ouais, je peux comprendre. Genre, tu préfères Willy que Jim. Bon, Willy, j'y arrive pas. Bon, bah c'est gagné. C'est win. Est-ce que je gagne beaucoup d'XP alors? Oui, c'est bien. C'est le foot, c'est la belle vie. Putain, je l'ai niqué. Bah, je gagne pas tant d'XP que ça. Hein. Et encore, ils ont appris aucune technique. Donc ça, c'est bien relou. Merci beaucoup. Grâce à vous, on va pouvoir s'entraîner en paix. De rien. Ah oui, Axel, il part. Il part pour voir sa petite sœur qui est dans le coma. C'est trop triste. Un hôpital, ouais, c'était donc ça. Je veux dire, Axel est vraiment là, tu vois. Mais non, sa petite sœur, elle est à l'hôpital, elle est dans le coma. Elle a fait un coma. Elle me fait mal au cœur, sa petite sœur. Retourner au local. D'accord. Ah, l'inspecteur Smith. Je peux te parler. Hein. J'ai entendu dire qu'ici, il y a un homme qui enseigne le football, en disant que je connais. Oui, c'est Monsieur Sweet, il nous a appris tout le dragon. Pourquoi le choc du dragon? Mais oui. Mais oui, le choc du dragon. C'est qui ce type? Eh ben... C'est un bon gars, je peux te le dire, marqué. Collège Raymond. C'est parti. Et oui, il y a Willy aussi. Bah ouais, bah c'est Willy. Tu l'as carrément oublié ce gars-là. Après, je sais pas si tu regardes sur Netflix la série Nazoba 11, mais Willy, il est important dans un match. Pour le souligner, il y en a vraiment. Dans la série, il y en a vraiment qui servent à rien du tout. Et Willy, il est servi à quelque chose. Moi, je retiens que ça, mais bon, je l'aime pas. Pendant ce temps. Même Willy, je gère pas son profil de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, encore? Alors, ah, c'est le coach. Donc c'est Bobby. Au fond, on voit sa tête, c'est Bobby et le coach qui est derrière le local, est en train de parler. Ils sont tous rendus. On se rapproche et son vêtement est déjà arrivé en avance. Ils sont déjà en obscurité. Ah là là. Oui, je suis à la saison 3. Oh là là. Comment vous tracez? Quand même. Moi, je suis qu'à l'épisode 11, moi, je crois. Qu'est-ce que c'est? Un papier déchiré, c'est très mal écrit. Eh ben, c'est le grand-père de Marc qui a écrit. C'est un morceau de manuscrit. C'est génial, il était où? C'est toi qui l'as trouvé? Eh ben oui, c'est bien, je me suis donné du mal. Et alors, on voit encore que Bobby est louche. Ah oui, Bobby est louche. Oui, il faut se méfier. Il connaît le manuscrit trampoline du tonnerre. Ça colle parfaitement. Voilà. Et ben maintenant, faut s'entraîner. Il nous manque super cher. Oh non, ils sont sérieux. Tout ce qu'il y a décrit, pas du temps. C'est pour le corps robuste. Ben, j'accouille. Le voilà qui arrive. Tragique. C'est terrible, Axel a des problèmes avec un type bizarre du côté de ma porte de paraître.
Ça me dit rien, ça, par contre. Allez à la porte de derrière. Il y aurait des points avec. Ah, il y a un coffre. Genre, je l'ai jamais vu celui-là. C'est fatigué. Oui, j'ai perdu des points. C'est une catastrophe. Bracelet. Je crois que ça doit être un gars de la Royal Academy. Homme en noir. Bon, en gros, ce gars-là, il veut recruter Axel Blaze dans le collège Raymond. Voilà des gêneurs. Oh, on va faire un petit défi. Non. Bon, allez, casse-toi. Ah, c'est le petit tige. Le moment le plus chiant, il faudra aller à l'hôpital voir sa sœur. Mais par contre, à l'hôpital, il y aura une musique tellement de fou, j'adore. Poussez-vous de l'eau. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Comme si des malades, ou ? Putain, mais ils font peur. Cartel Ingénieur. Ouais, non, mais c'est bon, là. Ils vont pas nous casser les couilles, quand même. Oui, Axel doit accompagner Marc. Oui, tout à fait. Il voit Axel dans le truc. Ouais, il y a moitié de l'effectif qui se sont barrés. Bon, on va mettre tout le monde, là. Oh, la musique, j'adore. Alors, déjà, c'est Todd qui va faire l'engagement. Et Axel. Kevin. Début. Alors, là, on va pas se foirer. Vous partez devant. Allez, hop. Oh, j'ai pas soigné. Oh, je suis un connard. Là, ça rentre. Là, il faut vraiment que j'aille heal, hein, par contre. Genre, c'est sérieux. Ça rentre. C'est bon. Qu'est-ce que vous en dites ? Défi remporté, nickel. Oh, il faut vraiment que j'aille les soigner, quoi. Putain, c'est pas possible. Ah, ouais, c'est bien, parez-vous. Cassez-vous. C'est bon, il se barre. Julia ! Oh, écoutez-moi juste cette musique. Écoutez juste ça. Est-ce qu'il y a la musique ? Mettez-moi la musique, s'il vous plaît. C'est juste un... Oh oui. Oh là là. Oh là là. Oh la musique. Oh là 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 là. Je compte sur toi pour remporter la finale d'aujourd'hui. Un grand frère doit soutenir sa promesse. Doit tenir sa promesse. Oh la musique. Oh là là. Axel. Sans doute mieux de tout raconter. On a compris, c'est ta petite sœur, elle s'appelle Julia. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la saison d'avant, bah, Axel devait jouer la finale. Voilà. Le jour de la finale est arrivé. Je t'ai fabriqué un porte-bonheur. Oh, c'est trop chou, un porte-bonheur. Voilà, le pendentif du serment. C'est pour moi. Axel, oui, c'est pour toi. Voilà. Et le jour J, il s'est passé un truc, un imprévu, on va dire. C'est l'heure, je dois rejoindre un peu tard. Là, il se passe quelque chose de terrible. C'est la dernière fois que j'ai vu son sourire. Oh là là, le jour de la finale du tournoi, elle s'est fait renverser par un camion en allant au stade. On m'a prévenu juste avant et du coup, il s'est barré. Il a pas pu jouer à la finale et son équipe a perdu. Julien, on dirait une feuille de papier, mais tellement. Mais c'est vrai, on dirait une feuille de papier. On dirait vraiment une feuille de papier. Mais ça, je l'avais vraiment remarqué aussi. C'est vrai, franchement c'est vrai. On dirait vraiment une feuille de papier, quoi. Non mais c'est triste quand même l'histoire. Moi ça me fait mal au cœur à chaque fois. Avec la musique. Bon. Bon maintenant faut s'entraîner là, faut faire trampoline du tonnerre là. Allez.
va laisser Julia dormir dans son coma. Dès lors, nous avons amené notre allemand avec accord afin de maîtriser la technique templière. Cependant, cette technique n'était pas si simple à réaliser. Bah oui, parce que Jacques a le vertige. Allez, Axel et Jacques, on va dire, on va sur le trampoline du tonnerre. Hein. Le problème, c'est que Jacques n'est pas encore arrivé. Il est lourd, ce gars-là. Oh. Et Jacques, il a peur. Il s'enfuit. Oh là là. Si tu abandonnes avant d'essayer, tu n'y arriveras jamais. Oui, on va aller à la rivière. Est-ce qu'on a été soigné? Non. Le jeu il est pas cool. Hein. J'ai assez quand même. Ça va. Putain, je suis vraiment un connard quand même. Allez à la rivière. La rivière. C'est un peu mou hein, ce qui se passe. Allez, hop. Oh, regardez! C'est Axel Blaze! Ah, il s'entraîne pour sauter super haut. Bah oui, Jacou, il faut peut-être. Il est temps de réagir. Axel vous accompagne. Allez, il faut s'entraîner, les gars. Faut faire trampoline du tonnerre. Ça, ça va me saouler parce que faudra que dans la compo, je mette Jacques en attaque. Vous êtes sérieux à chaque fois de faire ça, hein? Au coffre, j'ai même pas fait exprès. Il y a des toilettes. Ah, si vous ne savez pas, il y a des toilettes ici. Voilà. Ce serait bien que Jacques il ait plus peur. Pour ça, on fait direct le trampoline du tonnerre. Salut! Oui, on est prêt pour faire trampoline du tonnerre. Monsieur Sweet! Bizarre, oui. J'avais déjà entendu parler de trampoline du tonnerre. Bah, c'était une technique du Onzinazuma avant. Hein. Faut le savoir. Et encore une fois. Eh ben, donc. Bah, donc, ça s'entraîne dur. Hein. Très bien, maintenant, Jacques, il faut que tu soutiennes Axel. Hop, allez. Ça me fait trop peur. Oh là 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 là. Et Axel il se fait mal. Oula, le petit frère qui lui fout la pression. Regarde, c'est mon frère, il a peur. Salut ton frère, celui qui a battu la Royal Academy. Ouais, il est super fort. Là, il s'entraîne pour maîtriser une nouvelle technique. Ouah, comme il a trop la classe. Là, il y a quand même un malaise quand même. Hein. T'en fais pas, je sais que c'est grand frère, oui. Avec tes grands frères toi aussi. Allez. Est-ce que je vais y arriver? Ah c'est bon, j'y arrive. Ah c'est bon. C'est incroyable. Hein. On a maîtrisé trampoline du tonnerre. C'est vraiment cool. Du coup on peut niquer le collège Wild. Bien joué, Jacques. C'est quoi? Je vais marcher sur le ventre. Axel a un gros rôle. Tous mes efforts ne servent à rien. N'importe quoi. Ah, Jacques. Sache qu'on t'aime beaucoup. Hein. Mais tu ne sers pas à rien. Se faire marcher sur le ventre, c'est pas terrible. Enfin, on va pas être déçu en voyant ça. Mais ta gueule, Bobby, putain. Oh là là là. T'as toujours un gars dans l'équipe qui arrive qui se fout de ta gueule. Mais tout le temps, mais tout le temps. C'est comme les mecs qui... Tu sais, dans votre club, vous avez toujours vécu ça. Il y a un gars qui achète des crampons à 300 euros, mais il est nul. Il est nul au foot. Mais genre, sérieux. Vous avez toujours un gars, il achète des crampons à 300 balles, mais il est pourri. Il est nul. Il est nul. On a que la Royal Academy. Vous n'avez pourtant pas besoin de ça pour gagner. Oh là là, les gars. Du jeu de char. Les
Il est tellement stylé aussi ce joueur. Axel est vraiment un joueur exceptionnel, mais oui. Quoi? Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle fait au village? Ah, elle parle. Hein. Là, il parle de sa sœur, qui est Celia, ou qui tu parles. Parce que Jude et Celia, ils sont frères et sœurs. Ils ont été adoptés. Jude, qu'est-ce qui se passe? Mais en vrai, ils sont gentils, la Royal Academy. C'est juste qu'ils se la pètent. C'est con, mais bon. C'est le jour du match. Vous êtes prêts pour le match contre Wild? Bonne chance. Ouais, t'inquiète. Ah, attention, Bobby. Qui va dire quoi? C'est le moment de voir ce qu'il va. Oui, mais Bobby, t'es gentil. Arrête de faire le gars, le fou. Il faut aller à la gare. D'accord. Il se passe quoi? Oui. Alors, je voulais juste inventaire équipement, parce que je me rappelle qu'il y avait un bracelet qu'on avait eu. Ah non, c'est le pendentif de Axel Blade. Pendentif. Hop, voilà. Crampon, on a quoi? Que dalle. On n'a plus rien en accessoire. Ah si, j'ai tout ça quand même. Eh, hey, précision. Bah, faut donner à Kevin. Là. L'autre, c'est quoi? Non. Retour. Genre, Todd, non, t'as déjà envoyé ces slams. Sale. Hargne. Ok, c'est de la hargne tous les deux. Faut donner à Marc. Hein. Hargne. Oh, je peux pas. D'accord. Bah, on va donner à Paul. Ouais, et Max, je pense. Hop. Voilà. Nickel. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va les affronter ou on s'arrête là? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, prendre quelle décision. Est-ce que Max il est encore dans le stream? On va les affronter, d'accord. Bon, allez, on y va. Et après on va s'arrêter là quand même. Hein. Ça fait un gros morceau de stream quand même. Attention, il y a les rediff, hein, donc. C'est nickel. Alors j'espère quand même que je vais pas me faire péter la gueule. Allons à la gare. La musique qui chante. En train de réfléchir si vous pouvez recruter un joueur ici. Oh non, oh non, oh non, oh non. Commencez pas. Hein. Fuite. Fuyons. Je crois qu'il y a un joueur en recruté là-bas, non? Pas du tout. Allez, on se part. Dernière fois. Ok, c'est bon. Allons, on y va. College Wild. Pour les huitièmes de finale de cette coupe régionale. C'est la gare de Tokyo, oui. Elle est pas très grande. Et deux coffres. C'est ça le collège Wild. Tu vois là en plein. Ouais, c'est la jungle là-bas. Avec des poules. C'est la jungle, mais il y a des poules. Ah! Oh putain! Oh, j'ai 6 circulaires! Ah bah alors là on la prend tout de suite à lui. Tout de suite. Voilà. Après j'ai quoi comme technique? Bon, subtilisation, tir hélicoptère, sosie. J'apprendrais bien. À Timmy. Hop. Qui n'a pas tout de technique hein. Tout le monde en a un. À part Willy, mais Willy, j'en ai un. Pourquoi ils en ont tous un? Alors Bobby, c'est vrai qu'il n'a pas à part ta clé de la mort. Pour l'instant, on va te mettre ça. Histoire que t'aies un truc.
Sauf qu'on enlèvera, c'est de la merde. D'accord. Poisson. Le gars s'appelle Poisson. L'autre gorille. Il fait penser à quelqu'un. Je sais pas qui, mais. Le gorille, il fait pas penser à quelqu'un, genre sérieux. Je sais pas si c'est Donkey Kong. Ah, le petit frère, allez, on fout de la pression encore plus. Non, mais en vrai, j'ai... Eh, si mon petit frère il me fait ça pendant que je fais un match de foot, mais je dis, mais casse-toi. Mais c'est. Petit frère de 7 ans, fou. C'est bon ? D'accord. Regarde s'il y a à droite, s'il n'y a pas des... des coffres. Non, on va pas trouver envie. Ce n'est pas le moment d'entrer, enfin. Les 8e de finale. Le chat, le chauve. Vous êtes prêts à affronter ? Non. Oui, oui, il faudrait s'entraîner. Non, mais moi je sauvegarde juste. Voilà. Bon. Ben, c'est parti. On va prendre un risque, mais c'est pas grave. C'est parti pour les 8e de finale. Oui, il doit aller sur le terrain. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette compo là ? C'est une compote, ça, c'est pas une compo. Toi, tu dégages. Dégage. Paul. Paul, tu dois être en milieu défensif. C'est quoi leur technique déjà ? Ouais, toi, tu dois être devant normalement. Nathan. Nathan, je vais le mettre là à la place de Todd. Peut-être. Voilà, sur le banc. Je pense que c'est bon ça, hein, quand même, non ? Quel est le mieux entre Todd et Sam ? Ouais, c'est Sam. Hein. T'en penses quoi de la compo, Max ? Dis-moi tout, Max. Je veux avoir ton avis quand même sur la compo. On va changer là. Là aussi, ça me perturbe. Voilà, pour moi c'est bon. Todd. Pourquoi Todd ? Qu'est-ce que tu veux avec lui ? Tu le mettras à la place de qui ? Ah, je sais pas, j'ai envie d'y aller comme ça. Hein. Bon, on y va comme ça. Grand-père, nous y sommes. Les qualifications régionales. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a une petite vidéo ? Non. Technique de frappe, oui, c'est vrai. Mais après, je me dis que j'ai quand même Kevin, Axel et Max. Donc, je me dis, ça pourrait quand même le faire. C'est quoi ce cri ? Petit Marie, je suis l'entraîneur de Wild. Par contre, c'est costaud quand même en face, hein. Faudra se méfier. Allez, collez. Les 8e de finale, les gars. Allez, allez. Tout donner. Bon, je pense que la compo, elle est bonne. Hein. J'ai beaucoup de. Par contre, j'ai plein de types herbes, on va dire. Parce qu'en attaque, je crois qu'ils ont. Ils ont un flamme. C'est guépard, je crois. Non. Ah non, ça va. Ah, c'est coq. Bon, leur joueur le plus casse-couille, bon, c'est les trois attaquants et le défenseur là. Sinon, sanglier, ça va comme ça. Allez hop, parti pour là. Parti, s'il te plaît. Ah. Vas-y, pourquoi pas. On se rapproche. Oui, c'est le moment, Jack. Ah oh, bah, je peux direct faire. Je pensais que je pouvais pas. Bah, très bien. Allons-y. Non, je ne peux pas. Je suis pas de taille pour réaliser cette technique. D'accord, comme ça. Allez, t'inquiète, tu vas arriver. Allez, Jacques, on est tous avec toi. Imbécile. Pire sans même essayer, tu crois que ça va donner une bonne image de toi et ton frère. Après tous les erreurs que tu as fait à l'entraînement, peu importe si c'est la place ou non. Si quelqu'un se moque, tu peux vous couper la tête. Voyons donc. La marque qui défend ses copains, il a raison. Allez Jacques, faut y aller, niveau. On fait trampoline du tonnerre là. Ouais, j'avoue que là, c'est quoi ces bavardages, ils ont le temps de récupérer la bande. Allez. Trampoline du tonnerre. Il
Oula, il y a un plus sous bestial. Je m'arrête quoi. C'est bon. Putain. Oh, tiens le bambou. C'est nickel ça. On est comme ça. Moi je marque dès le début et après je fais plus rien. Comment peux-tu sauter si haut avec une technique ridicule? Ouais, mon gars. Bon, là maintenant c'est jouer correctement. Alors, ça c'est serpent. On va jouer derrière. Hop, si je peux l'avoir. Ok, bien ça. Sam, Timmy, Axel. Ah non, j'ai mal envoyé. Ah là là. Où je l'ai? Ok. Ok, on la refait. Hop. On va essayer, il n'y a plus de. Il n'y a plus de points. Bon, elle est stylée quand même cette technique. Oui, du tonnerre. Griffe bestiale. Boum! 2-0. Nickel. Est-ce que je peux sortir Axel? Bah non, je ne peux pas. C'est pourri. Ok. Attention à droite, ouais. Ouais, je l'avais vu. Ok. Blocage. Nickel ça. Oh, je l'envoie comme une. Ok, pourquoi pas. Ouais, mais il est. C'est trop faible. Voilà. Hop. S'il fait griffe bestiale, je le marquais pas. Tornade du dragon. Hop. Nickel, c'est bon. On peut le mitrailler de frappe. Voilà. Le petit 3-0. La musique toujours aussi stylée. Accélération, ok. Bon, je dis qu'il y a faute là. Oh. Ah, ça y est. Oh, attention, ça c'est la frénésie. Ok. Ah, il m'a niqué. Ah, il m'a niqué. Ah, il est même. Oh, Jacques, il est marqué. Ah. Oh, bien joué. Ouais, j'avais l'avantage. Super. Hop. À droite. Ouais, max. Oh, allez. Oh non. Ah, dommage. J'ai trop mal géré, là. Oh là là, je joue mal. Bon, on attend la mi-temps. Hein. On attend tout ça, mi-temps, aussi. Bon. C'est bon. J'ai eu le temps de tirer. Tire en spirale, hop. Il met 4-0 à la mi-temps. On continue comme ça. Ça passe crème. Nickel. C'est à la mi-temps. Bon. Je pense que c'est fait. Hein. Enfin... On va passer à l'attaque. C'est très bien. On peut pas vraiment retirer. Ils ont vraiment plus rien. Ah, c'est con ça. Là, je suis quand même en jeu libre. Hein. Je l'ai. J'ai fait le mode histoire. Non. Putain. Oh là là. Non, mais il a une technique de dribble, c'est chiant. Ah, lui aussi, il a une technique de dribble. Oh là là. Ah, super. Pour éviter de faire faute, on va faire ça. Bobby qui fait sosie, quoi.
Super. Ok. Vas-y, Nathan. Non, t'es hors jeu. Putain. Qu'est-ce qu'il est con. T'es hors jeu, qui. Ah, j'ai peu. Ah, je peux le dribbler, mais. On va tenter, hein. Je crois qu'il va le niquer là. Ah, il m'a niqué. Je peux gratter un penalty par contre. Je peux gratter un penalty. Non, j'ai pas de pédo. Oh, bien joué. Oh, bien joué ça. Oh, bien joué. C'est bon. Allez, ça rentre. Oh, genre, tu la dégages. T'es sérieux? Oh, j'ai pas passé loin. C'est pas passé loin. Il est où Steve? Ah, je l'ai dégagé. Bon, on va mettre Sam. Toi, tu dégages. Dégage. Normalement. Bâtard. C'est bon. Tire qu'on a. Oh, t'es mort. Super. On est bien. Genre le mec. Ok. Ah, oh, j'ai mal géré. Paul. Ok. C'est circulaire. Oh, j'adore cette technique. Trop stylé. Oh, genre la faute. Mais d'où y'a faute? Ah, ça va plus là. Cette mi-temps là, oui, c'est plus rien. Subtilisation. Dans l'axe, hein. Vas-y Kevin. Ah mince, j'ai plus de points. On va tenter. Oh, ça passe. 5-0. Non, ça passe pas. Ça passe pas non plus. Super bien. Super. Ok, il passe. Bon, Jacques, avec le mur là, ça va. J'espère que ça va passer. Allez, Jacques, le mur. Hein. Là, il n'y a pas de solution. Là. Ah, j'aurais dû tirer. Ouais. Poisson, il m'a chopé la balle. Ah, je l'avais vu. Ouais, c'est bon. Là, Axel, il est en jeu. Ah, mince. Ok, ça passe. Ouf. Ok. Bon allez, le sixième. Ok, ça rentre. 6-0. On met la gomme. Et ben c'est bon, c'est fait. Ça y est, les gars, le collège Raymond est en quart de finale. Super. Bon, simple hein. Franchement, pas à dire. 8 tirs, 12 techniques, facettes, ouais, logique. Axel, il apprend charge enflammée, ça c'est génial. Subtilisation, génial. C'est bien parce qu'Axel, je pourrais le foutre en numéro 10. Axel, charge enflammée. Félicitations pour cette victoire. Grand frère, tu avais trop la classe. Ouais. Et ouais, grâce à Jacques, on a gagné. Hein. Je sais pas trop vite, ce n'était que le premier match. C'est des prédictions à la prochaine rencontre. Oh, c'est une délire.
Ouais, moi je connais le tirage des jeux d'avance. Madame Raymond. On affronte le cybertech normalement, si tout se passe bien. Bon, bon, bon. On va heal tout ça et puis je vais m'arrêter là. Oh, monsieur le coach, qu'est-ce qui se passe encore? Vas-y, appelle-le, ton copain. Oui, ils ont emporté le premier match, oui. Sans avoir refusé notre invitation. On se demande qui c'est, hein. Ils se mettent en travers de notre chemin. Oui, je connais son point faible. Ok. Il est sympa quand même, le bonhomme. Oui, on va se regarder. Il est bien fait de me penser à ça quand même. Bien vu. C'est bon. Petit costaud. Ouais, mon équipe, elle s'appelle Twitch. Oh, il y a deux coffres. Qu'est-ce qu'il y a, Nelly? C'est plus rare que tu m'appelles de cette. Ok. Merci, père. À vrai dire, je sais pas. C'est de la chance d'avoir une majeure comme toi. Bon, c'est bien. Allez. C'est bon, la famille. Oh, le blabla. Chapitre 4. Chapitre 4, l'entraînement spécial. Nickel. Entraînement spécial. Second match de qualification approche. On ne doit surtout pas se relâcher d'ici là. Qu'est-ce qu'elle a encore? Ça rien est devenu. Oui, oui, c'est chez Cerolo d'ailleurs. Andy, quelle chance. Leader du collège comme manageuse. Par contre, elle semble assez difficile à aborder. Elle est juste un peu rêvage. D'accord. Je me demande si elle a en tête. Nutibu, non. En vrai, elle est gentille, Nelly. Ils font juste leur. Ils ont juste la grosse tête. Ah. C'est toi, Mark Evans. Hein, c'est bien voir. On va voir. On va pas discuter ici. Ramène ta presse au local de ton club, je t'attends là-bas. Ah. Je me rappelais plus. Attention, c'est des voyous en question. C'était un des voyous, d'accord. Non, je vais à local, ok. Allô, local. Oui, d'accord, un verrou, c'est bien. Attends, on va juste récupérer les coffres, tout là-haut, parce que j'ai eu des coffres, ça m'intéresse. Je suis le proviseur, on s'en fout. Hein. Il va comme ça, nous. Bonjour. Non, c'est l'autre côté. C'est la salle de Nelly. C'est quoi? Ok, des points de motivation. Pourquoi pas? L'autre. Des points d'amitié. Magazine de foot, d'accord. Bon bah nickel. Bah, je vais m'arrêter là pour ce stream. C'était très long ce stream. Hein. Eh ben, merci hein, Max de m'avoir suivi et les autres qui se sont abonnés. Et je vous dis bah à demain. Je vais sur mon stream demain dans l'après-midi. Voilà voilà. Bye bye tout le monde et bonne nuit à vous. Bonne soirée. Ciao.